Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, nous disons merci pour grâce à mon qui vous accorde nous. Matin ça pour que nous soyons capables de trouver nous dans la présence. Côté que nous parlons enseigner par le cher Seigneur, là-bas nous parlons serviteurs attendez. Utilisez-nous comme ou souvent fait ça, ou toujours fait ça, et avec le nom capable de glorifier, et nom nous capable d'édifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouvrez Bible en ce moment maintenant, Hébreux chapitre 11, le verset 10. Hébreux chapitre 11, le verset 10. Hébreux chapitre 11, le verset 10, ou même qui est en live, vous capable de faire ça aussi. Hébreux chapitre 11, le verset 10. Alléluia. Mais ça le dit. Il dit. Dans Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a deux solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Et le constructeur, m'a dit ça vous encore, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Moi-même, on se réveille en tant que chrétien, mais bien aimé, cité permanente nous, n'est pas sur la terre, mais cité permanente nous, lit dans le ciel. Amen. Même si la Bible a expliqué là, et si que vous regardez le verset qui est précédent, il a parlé là de les héros de la foi, les anciens, lorsque nous prenons Abraham, nous prenons Isaac, nous prenons Jacob et nous prenons aussi Noé, nous prenons Enoch, Élisée, Moïse, Josué, Caleb, Esaïe, Jérémie, tous les serviteurs authentiques de Dieu, depuis dans l'Ancien Testament et jusqu'à maintenant, tout le monde sait attendre. Cité ça, pays ça. Sur la terre, nous c'est passagers. Nous c'est pèlerins, c'est passé que nous avons passé. Nous pas venir rester sur la terre. Il y a des gens qui pensaient que nous venir rester sur la terre, mais moi-même ensemble avec vous, nous pas venir rester sur la terre, c'est une raison pendant que nous sommes sur la terre. Nous besoin vivre, fonctionner par la foi. Ça veut que la Bible dit dans le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham fonctionnait par la foi, avec la foi. Amen. Le verset 9 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Dans le verset 10, verset que nous sommes lits pour tout à l'heure, c'est le même qui dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils attendent la cité qui a de solides fondements. Là, la Bible a parlé de le ciel, le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu, lorsque vous regardez ensemble avec moi, dans Apocalypse, chapitre 21, on va comprendre plus bien toujours, qui cite que Abraham, Isaac, tous les anciens de l'Ancien Testament, tous les chrétiens, jusqu'à maintenant, qui citait qu'ils attendent
La Bible dit comme ça que dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er jusqu'au verset 3, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est Jean-là qui a parlé dans une vision. Côté que dans la vision, il dit, tout le bagage ça, il dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Bon, ciel, ça, que vous regardez là, avec tes ça, Jean dit comme ça que l'Iwel disparaît, l'Iwel disparaît. En pile monde, parce que vous apprêtez sur la terre, vous avez fait éternité. Je dis que vous n'avez pas de monde qui vient faire éternité sur la terre. N'importe monde, non? Vous bon? N'importe nationalité que vous avez ou bien vous avez, vous n'avez pas faire éternité sur la terre. Sur la terre, ça, c'est un lieu qui est temporaire. C'est passé ou passé. Qui ou t'es chrétien ou pas chrétien, c'est passé que nous avons pas, que nous avons passé dans le lieu ça. C'est une raison pour que tout le monde qui est le monde, qui monde, bon, si vous t'a pensé avec bagay ça, vous t'a connu comment pour vous traiter le monde pareil, hein? Vous t'a connu comment pour vous vivre. Comment pour vous vivre, vous t'a connu comment pour vous servir, mon Dieu. Vous t'a réalisé, hey, moi, je n'ai pas dit l'autre monde pour me confier la vie, que mon Dieu. Vous t'a remettre Jésus-Christ la vie, vous t'a dit, bon, puisque t'es ça, ciel, ça a dit pour disparaître, bon, monde qui crée ciel avec terre, m'a remettre la vie. Et la Bible dit comme ça que, si t'es ça, côté ça, que Abraham, Isaac, Jacob, tous les anciens, au moment de l'Ancien Testament, attendent, et nous les chrétiens, ce n'est pas le monde qui fait, c'est bon Dieu qui fait. Même si elle, ça, avec Tessa, que la Bible dit qu'il est pour disparaître, ce n'est pas un monde ordinaire qui fait, c'est même bon Dieu ça qui crée. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, qui ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est mon Dieu qui créait ciel, yo. C'est mon Dieu qui créait terre. Nous après tourner dans Apocalypse chapitre 21, mais en regardant dans Ésaïe, chapitre 51, le verset 6. Ésaïe 51, le verset 6. En regardant rapidement dans Ésaïe 51, le verset 6. Pour qu'apparemment confirmer que ciel y a pour disparaître, terre y a pour disparaître avec toute salle que la donne. Est-ce que vous comprenez que moi-même en ce moment, terre c'est passé dans le passé, il n'est pas cité permanente nous, il n'est pas demeure éternelle nous. C'est un petit moment que nous avons fait la donne. Dans le verset 6, dans Ésaïe 51, le verset 6, lui dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Alors, lorsque la Bible prend métaphore ça, exemple ça, fumée, ou capable, ou même qui habitué fait manger, ou bien, ou même qui habitué, ouais, lorsque ils fait du feu, premier bagage qui sorti dans du feu, si on l'a fait, ils l'a fumé. Et la Bible compare la vie, moi-même, on se met avec vous. L'homme, comme yon fumé. On va nous dire nous là, nous disparaître. Et bien, la Bible explique dans Esaïe, mais si elle est pour disparaître, comme qui ça, comme yon fumé, et qui pour disparaître. Si elle ça, que nous avons gardé, on va qui gagne des planètes, côté que un peu le monde habitué à aller faire voyage dans la planète. Mais la Bible dit ça que si elle ça, l'idée pour disparaître. Il dit ça que la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Okay, la Bible prend l'autre métaphore encore, un vêtement. Okay, un vêtement, s'il n'y a pas de monde qui peut porter, il n'est pas capable, il n'est pas fonctionnel. Okay, un vêtement, et si que vous ne pas mettre ou la gueule à terre, ça va le passer, le monde a pilé, la salle, la chiré. Et bien de la même façon, la Bible explique nous que Tessa a pour tomber en lambeau comme
un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Donc, moun qui habitait, on m'a souté ça, nanté ça, l'habitude yon gen pu disparaître comme qui ça, comme des mouches. Comme des mouches, tout le monde qui a fonctionné sur la terre, yon gen pu disparaître comme des mouches. Les chrétiens qui pour disparaître. Les non-chrétiens qui pour disparaître. Mais chaque monde sa yo pralé dans yon cité. Comment yon cité permanente. Ok, nous les chrétiens, cité permanente, nous, c'est le ciel auprès de Jésus-Christ. Au pasteur Jésus, est-ce que capable yon verset qui kakoué, ça qui ou dit, hein? M'bap seulement ba ou verset, ça m'sout ba ou la yo. On ouvre Bible. Dans Colossiens chapitre 3, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, Colossiens chapitre 3, ou après Colossiens après Philippiens, dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est à, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité, en d'autres termes, si vous chrétien tout bon, ou pas que pour chercher les choses de ce monde ou dans ce monde, ou pas que pour focaliser sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont pas ça, sont passagères. Bon, les choses de ce monde, c'est passé que y a passé. Si bagaille qui dans monde ça passé, est-ce que vous ka focaliser sur yo? Non, ou besoin yo, ou non nécessité yo, mais ou pas ka focaliser sur yo. Sur qui monde nous doit focaliser nous? Nous devons focaliser nous sur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, hey, EJ, sit down. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Qui côté où Christ est assis? Nous devons chercher qui ça? Les choses d'en haut. Tous les chrétiens, tous les sauvés périodes, nous devons focaliser nous sur les choses d'en haut. Et puis, lui dit nous qui côté oui? Où Christ est assis? Qui côté Christ assis? Dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est dans le ciel. Dans le psaume 35, je pense que le verset 5 lui dit, notre Seigneur est ton ciel. Notre Seigneur qui est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de l'univers, le architecte de l'univers. Il est au ciel, c'est là que lié, c'est là que tous les chrétiens doivent focaliser nous. Nous devons focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous focus sur le Seigneur Jésus-Christ, ça pourra le passer, Pasteur Jimson. Oh, mais ça, Christ dit qu'il pourra le passer. Dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'on commence à lire le verset 33 jusqu'au verset 35, Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque nous cherchons Christ, nous cherchons le royaume ni. Mais l'autre bagaille, les choses matérielles, la banouille comme des guis. L'argent comme des guis. Des maisons comme des guis. Des voitures comme des guis. On va un mariage. On va comme des guis. Petite. Bagay sa yo a comme de qui? Ok, le diamant yo a comme de qui? Et dans Habakkuk chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit, l'or est l'or, l'argent sont à moi. Tout bagay sa yo c'est pour mon Dieu. Et dans le psaume 24, la Bible dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle referme, le monde et ceux qui l'habitent, c'est pour mon Dieu. Si elle lui est terre et tout ça qui la donne et tout le monde qui habite la donne, tout c'est pour bon Dieu. Puisque tout c'est pour bon Dieu, mais après le péché, bagay sa yo, que bon Dieu qui avant de commencer, avant de créer, mais tout bagay sa yo, yo gon lè pou yo disparaître. Ah, si elle yo qui pour disparaître, terre qui pour disparaître, abandon. Les arbres, les animaux qui pour disparaître. Les habitants qui habitaient sous terre ça qui pour disparaître. Mais lorsque terre ça disparaît, Mathieu, question pour moi-même ensemble avec. Question pour moi-même ensemble avec. Qui côté que nous prenons habiter? Les ciels, yo,
terre a disparu. Qui côté que nous parlons habiter? Mais la Bible fait connaître que moi-même, en ce moment, en tant que chrétien, habitation nous, demain nous, il n'est pas sur la terre, mais il est dans le ciel. Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors que cité ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il dit cité ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au moment qui c'est un grand architecte, lui, qui c'est constructeur. C'est lui-même qui construit. C'est lui-même qui crée toute bagaille. Gardons ça avec moi. Dans Jean chapitre 14, le verset 2, qui s'agrise dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si ça pas de vrai, pas t'a dit nous ça. Il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté ma pied, c'est là que nous habillons. Qui côté Christ habillé? Là, dans le ciel. Mais la Bible explique que nous, en tant que chrétiens, il y a un gros événement qui est pour produire. Événement s'arrêler, l'enlèvement de l'église. Côté que Christ, il est pour le retour de venir chercher l'église. Il est pour venir chercher fiancé. Il est pour aller marier avec nous dans le ciel. Christ a venu. Lorsque Christ vient, Christ prend l'église. Et puis il va passer une période de 7 ans avec nous en roi dans le ciel. La Bible explique nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. Première rencontre a fait qui côté? Dans les airs. Nous allons rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs. Lorsque nous finirons rencontre avec Christ dans les airs, et puis il a monté ensemble avec nous qui côté? Dans le ciel. Amen, oui. Dans le paradis de Dieu. Dans le grand matin de l'éternité. Période de 7 ans, ça que nous allons passer avec Christ. La Bible fait connaître que dans Apocalypse chapitre 19, il fait connaître que c'est une noce, qui prend le gain, c'est une festé qui prend le gain dans le ciel. Dans Apocalypse, regardez-moi avec moi. Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Mais ça lui dit, réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il dit, réjouissons-nous. Ça, c'est dans le ciel. On va dire qu'il va parler avec les anges parce que bon Dieu, l'autre communauté dans le ciel. Amen. On va nous-mêmes, en tant que l'église, nous sommes une communauté de bon Dieu sur la terre, bon Dieu, pour venir prendre une communauté ça. Et puis pour nous rentrer dans le ciel, pour nous faire seul avec les anges, ça veut que la Bible dit lorsque nous rentrons dans le ciel, au moins nous attendons que les anges, mais nous assemblons avec, mais nous. Amen. Les dit, réjouissons-nous. Les anges ont commencé à réjouir. Les anges ont commencé à faire qu'on compte parce que dans lieu ça, c'est pas seul lui-même qui parle habiter la donne. Au moins nous parlons de l'autre être spirituel. Parle que l'autre être qui c'est épouse de Christ qui parle habiter dans le ciel. Et ça plus belle, lorsque nous arrivons dans le ciel, les anges prennent au service nous. Est-ce que nous comprenons l'église? Lorsque nous arrivons dans le ciel, les anges prennent au service nous. Les anges content, les anges prennent des amis. Amen, oui. Les anges prennent des compagnes. Alléluia. Et ils sont pas seuls encore. Ce n'est pas eux-mêmes seuls qui parlent bâiller mon Dieu gloire. Ce n'est pas eux-mêmes seuls qui parlent exalter le Seigneur. Ce n'est pas eux-mêmes seuls qui parlent adorer mon Dieu. Mais dans le ciel, alléluia, l'église, les anges, après, rejoignent-nous. Et puis pour nous capables d'approcher devant le trône de Dieu, pour nous créer jour et nuit. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Nous parlons exalter, louer le nom de Dieu. Nous parlons glorifier le nom de Jésus-Christ. Et puis il dit encore,
Et il lui a été donné de se revêtir de fêlé éclatant pur. On va mettre ça fêlé éclatant pur, ça signifie. Car le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Amen, oui. Ces œuvres, façon que vous servez mon Dieu, façon que vous fonctionnez pendant que vous êtes sur la terre, ces œuvres, et puis il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Paroles, ça y est, ces paroles, mon Dieu, ces paroles qui vérité. Festin pour le fait. Et festin, c'est avec nous. Alléluia. C'est avec nous, festin. Pral fait, ça fait que ma tour, ou même qui se l'église pour coup, prend courage. Pendant sur la terre, ouais, j'en bagaille au pralé, ouais, j'en que le monde bouleversé, ma tour, ma tire pour coup, prend courage. Gon festé qui pral fait dans le ciel, festé ça pas fait sans vous. Non, festé ça pas qu'à commencer sans vous. Festé ça, c'est avec nous même qu'il pral fait. Qui moun ka vin chercher nous? C'est pas les anges nous, Christ a voyé vin chercher nous, c'est les mêmes qui descendent. Ce n'est pas voix dans nous que nous prenons le temps de. C'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible explique nous, lorsque Lazare mourit, voilà la voix qui ressuscite Lazare, c'est la voix de Jésus-Christ. Disciples étaient là. Christ n'a pas dit disciples de Lazare. Mais c'est lui-même qui était le Lazare. Il dit Lazare, sors. Et bien, de la même façon, pour tous les chrétiens, tous les sauvés, tous les rachetés de tous les temps. Oh, mais la Bible, on va expliquer nous, c'est la voix de Jésus-Christ que nos bras attendaient. Ça fait que la Bible dit nous que dans le verset 2, dans Colossiens chapitre 3, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Qui ça dit? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Affectionnez-vous avec les choses d'en haut. Pensez avec les choses d'en haut. Ce n'est pas avec bagaille qui est sur la terre, mais avec les choses d'en haut. C'est avec bagaille ça y est pour nous penser. La gloire qui est réservée pour nous. Apôtre Paul dit ça. La gloire qui est réservée pour nous. David dit encore dans le verset 6, le psaume 23. Car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la vie qui sera. De mes jours, David te quitte, Père, ses révélations, alléluia. Grâce, mon Dieu, bonheur, mon Dieu, gardez à suivre-lui jusqu'à ce qu'elle rentre dans le grand matin de l'éternité. Ça fait que David dit dans le psaume 34, il dit comme ça que dans le verset 1er, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que David qui t'a percé l'éternité. On ça c'est éternité. On va dans côté que moi-même, ce matin, on est chrétien, nous qui pouvons rentrer dans le futur. Et là, nous rentrer dans l'éternité, ça. Nous pourrons exalter, nous pourrons louer le Seigneur Jésus-Christ, tant pour les anges. Amen. Les anges n'ont pas jamais fatigué. Les anges n'ont pas jamais bouqué. Amen. Non. Alléluia. Les anges n'ont pas jamais chuta. Amen. Soyons campés ou bien yo prosternés. Amen. Oui. Ou bien yo prosternés ou bien sous les genoux. Amen. Alléluia. Chaque que la Bible explique. Et puis yon a adoré. Alléluia. Quand des personnages ça qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Alléluia. Le architecte de l'univers. Yon a adoré. Yon a loué. Non. Yon a exalté. Amen. Il a exalté le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il dit, dans le verset 3, car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. Car quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui de la gloire. Christ vient pour le paraître. Christ vient pour le paraître, pour le venir prendre. Pour le venir prendre l'église, mes bien-aimés. Christ vient pour le venir prendre. Ça fait que nous pas là pour tout temps. Nous pas là pour tout temps. C'est passé, n'a passé. Christ est pour le vin prendre, il est pour le vin prendre. Mais qui ça nous doit faire? Nous devons rester en état de préparation. Toujours préparer, toujours veiller. Même Jean-Claude habite pour ça que veiller, prier. Amen. Parce que nous, par contre, qu'il est que le Seigneur Jésus-Christ a retourné. Veiller, prier. Façon qu'il va fonctionner. Façon à parler. Dans le travail, dans la maison, dans l'école, dans le marché, tout côté. Veiller. Parce que la Bible dit comme ça que. Regardez, s'il possible, Satan a même séduit les justes, les chrétiens. Ça veut que, moi-même, en ce moment, nous devons veiller.
comment nous devons veiller. Il dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 et le verset 21, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, oui. Notre cité à nous, cité panouan, qui compte lié, est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Pierre Napton, c'est pas Jacques Napton, c'est pas André Napton, mais nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Marie Napton, voilà, mais Napton, le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, notre Seigneur. Alléluia, lui-même qui était d'accord pour te venir sur la terre, pour te venir mourir pour nous. C'est lui-même Napton. C'est lui-même qui sauve nous. C'est lui-même qui Seigneur nous. De le verset 21, il dit, qui transformera le corps de notre humiliation, Christ pourra le transformer corps humiliation ça. Avec lui, avec un corps comme type ça, Christ pourra le transformer. Monde qui mourit déjà en Christ, corps, on va en mortel l'homme, Christ pourra le transformer en corps d'immortalité. Alors que Christ pourra le bannir, il y a un corps glorieux. Amen, oui, il y a un corps glorieux, il y a un corps de gloire. Et puis il dit, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Attendez bien, oui. Christ, amen, il pourra le transformer. Quand nous, ou en cohabitation ça, en le rendant semblable au corps de sa gloire, propre corps, corps ressuscité de Jésus-Christ. Même Jean, lorsqu'elle était mort, il ressuscité avec un corps de gloire. Au moins, c'est même corps de gloire ça, pour parler ce matin, Sœur Monica, Pasteur Jimson, tous les chrétiens, ou même Capitaine, c'est comme ça que nous parler, tous les sauvés, c'est comme ça. Que nous parlons, que ça veut que nous parlons, qu'on peut apporter pour nous, que ça que je traite dur mon corps. Il dit à cause de Jésus-Christ, il dit il traite comme dur, on m'a dit à cause de Jésus-Christ, traite comme dur. Traite comme dur. Il y a un la chair à demander, c'est pour dire la chair, posez-vous. Mettez-vous en côté, posez-vous la chair. Alléluia, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je ne appartiens pas à moi-même, mais moi, je appartiens à Jésus, à Jésus-Christ. Ça veut que l'apôtre Paul, c'est tellement comprendre les bagailles. Il dit que ça que pas occuper la chair, qu'à demander toutes les bagailles, ça y est. Si vous balil, la chair sont pour ciel lié. Il n'y a pas de l'enfer pour lui, mais la voyons de l'enfer. Et comme ça, c'est pour Christ qui est lié. Le lâchement de nos bagailles, c'est pour dire la chair de mettre posée, autant de poser. L'habitude par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On m'a dit, pas pouvoir, Christ qui pouvoir. On m'a dit, pour assujettir toutes choses. Pas même pouvoir ça. Il parle transformer comme même ensemble avec. Mais nous parlons de corps glorieux. Ou un corps corruptible ça. Ou un corps physique ça. Nous malades la donne. Nous crier la donne. Nous souffrons la donne. Les bonnes séparations, qu'elle était bonne ou mauvaise, nous souffrons la donne, nous pleurons la donne, nous tentons la donne, nous prenons un pile de couragement, un pile d'humiliation, non, comme ça, mais bon, quoi qui est réservé pour nous. Amen, oui. Amen. C'est révélation ça que les trois amis Daniel a lui a été passé. C'est révélation ça que Daniel aussi, Daniel t'est passé. Est-ce qu'on est là à l'église? C'est révélation ça qu'elle t'est passé lorsque à lui a eu fini. Alléluia, messieurs dit, nous pas adorer, wa, amen, alléluia, nous pas mettre à genoux devant, même si bon Dieu nous a délivré nous, et même s'il pas t'a délivré nous pas mettre à genoux devant. Daniel dit de la même façon, avec que y a perçu révélation. Amen, fait pour que quand ça va là pour tout le temps, amen, le gros lot quoi qui réservé pour tous les chrétiens. On va là, quoi ça réservé pour Abraham, lui réservé pour Isaac, lui réservé pour Jacob, lui réservé pour tous les chrétiens, pour moi-même ensemble avec eux, lui réservé pour nous, il y a un corps glorieux. Amen. Non, quoi ça, un corps glorieux, regardez, nous avons tant que les anges, mais nous assemblés avec maître nous. Et pas avec les anges assemblés nous, nous avons tant que les anges. Ça veut dire que les anges, ils ont dit, ils ont volé les anges, ils n'ont pas besoin. De capture, et si on parle en côté là, et puis on prend machine, bien qu'on a pris tout le bagage ça, on a celle là, oui. Ah, on a pris tout le bagage ça, ok, on peut dans le ciel, parce que c'est un royaume, c'est un pays. Il y a des gens qui pensent, pas que machine, avec qui machine, c'est pas même genre, avec machine ça qui là. Non, bagage est différent, parce que Christ, vous savez que lui fait tout le bagage nous, nouvelle. Ça veut que Satan pas gagné
accès encore pour aller dans le ciel. Jean Satan te comprend, ciel l'entend longtemps, bagaille changé. Amen, oui. Go nouveau chemin, une nouvelle chemin. Chemin ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bagaille changé. C'est seul monde qui est en Christ, que Christ fait grâce, qui est capable de baisser révélation ça. Ça t'a pas révélation encore de ciel là. Ça te connaît en bagaille au changé. Ça sous l'autre bagaille. Qu'on l'autre préparation qui fait. Ou qu'on l'autre préparation ça fait. Les fait pour moi-même ensemble avant. Ah, ou pas de compte ça? Christ, ou madame, c'est un esprit lié. Mais les formons encore. Les prend encore à cause de nous. Amen, oui. Les prend encore à cause de nous. Et puis avant d'aller, le formons encore. Et puis il dit, moi, je vais préparer une place. Est-ce que c'est une révélation? Là, le prépare, une place. Est-ce que ciel là pas toujours existé? Oui, il était toujours existé. Mais qui ça? Là, il fait un autre travail, la donne. Amen. Alléluia. Parce que dit, madame de Kabin, je vais une place qui travaille pour le fait. Amen. Qui l'autre couleur pour le bali. Man, qui l'autre bagaille pour le mettre. Ça n'a pas connu ça qu'à donner dans le ciel là. Amen. Oui. Diable n'a pas connu. Oui, il était là. Mais, gardez un moment ça sur l'autre moment. Sur l'autre bagaille. Sur l'autre bagaille. Avec que monsieur jaloux. Monsieur Deguitan. Prenant quelques bagailles dans le ciel là. Mais bagaille ont changé. Amen. Bagaille ont changé. Parce que ça fait ça, parce que Marie l'église et pour l'église, elles font leur travail dans le ciel. Ça fait que l'église là, livre pour nous rester dans l'état de sanctification, de propreté. Ça fait que Christ Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, oui. C'est pour nous être saints. C'est pour nous être sanctifiés. C'est pour nous être propres jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher nous. Amen. Cité ça, c'est pas n'importe quel monde qui a rentré là-dedans. Le monde qui a rentré dans cité ça, c'est le monde qui est propre. C'est le monde qui obéit avec le maître de l'église. Le maître de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Époux de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si que vous pas obéi avec époux, avec maître de l'église, vous pensez, ou avec l'église jauvelée, façon vous, habit mauvais, si elle n'a pas pour vous. Si elle n'a pas pour vous, ou même si maître de l'église l'a dit, mais comment pour l'église l'habiller? Et puis, vous prenez l'autre habillement, si elle n'a pas vous. Regardez-vous, expliquez-moi une illustration. Côté que, un servant de bon Dieu, qui n'a une route la marché, et puis pendant la marché, il va à l'un côté, et puis, même côté A, il rencontre un personnage qui vient rencontrer l'autre là, il a marché. Et puis, il y a une conversation réellement intéressante. Il a parlé de bon Dieu, il a parlé. Et puis, un personnage arrive au degré pour font l'autre route pour aller. Et puis, pendant le parler, dame dit comme ça. Qui compte braler? Mais le moi, c'est ma non. Il dit, ouais, quand tu braler, ou pour comprendre pour Allah. Dame dit, ça fait pour comprendre pour Allah. Il dit comme ça, et ta ou yé. On va bagaille ça ou dans cheveux ou là. On va allou ça ou grève ça ou dans cheveux là. Pays côté braler. Type de moun sa yo, pas rentré là. Amen, oui. Type de moun sa yo, pas rentré là. Amen. La Bible dit comme ça que Christ dit, mais comment pour les gens fonctionner? Nous, je n'en sais rien de pasteur à quêter. Nous, on sommes des faux prophètes. C'est l'argent nous, yon. Yon pas oué Christ. Yon pas oué nom nous. Yon pas oué futur éternel nous. Regardez, yon quitte nous venir, j'en oué. Yon pas prêché nous l'évangile de sanctification. L'évangile de sanctification, c'est dans la Bible en lié. L'évangile de sanctification, c'est pour les chrétiens, les sauvés. Mais les brigands, les bandits, c'est l'enfer qui attend nous. Pour le monde qui est là dans le ciel. Il a obéi, attendez à l'évangile de sanctification. Parce que moi-même, je ne suis pas avec mon ou bien prêchons des bagailles que mon Dieu pas bon prêcher. Ça, mon Dieu dit, hein, les dans la Bible, ma professeur, toute bagaille pour les ou fâcher, ça fait qu'à regarder, Jimson, Jimson, je serviteur mon Dieu, je obéi à Christ, je ne vais jamais obéir avant l'homme.
Et apôtre Paul dit dans Galates, il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et puis il parle dit toujours dans 2 Corinthiens, dans le dernier chapitre là, il dit comme ça que nous pas de force devant la vérité, mais nous avons force seulement que pour la vérité. Moi qui force pour me dire la vérité. Alors, je n'ai pas de capacité devant la vérité. Même qui capacité pour me dire la vérité. Parce que la vérité vit en moi. La vérité demeure en moi. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Okay. L'église Christ là, go façon pour le marché, go façon pour fonctionner. C'est pas parce que j'ai besoin de monde devant, j'ai besoin pour aller go pasteur puis pour me quitter l'église, pour me quitter mon avini, genre ou qu'a venu j'ouvre dans l'église Christ là, mais qu'on façon s'ouvre là dans ciel pour y est, pas de problème. Ou qu'a fait garder toute vie ou chita dans l'église là, ou pas repentir ça fait cargado, mais l'évangile a prêché. Monde qui prend dans le ciel, il a repenti, il a changé, il a changé d'attitude et puis les trompettes sont mis au tabou. Ciel pour nous mieux. Vous voulez regarder, vous voulez pas, vous voulez, Jésus-Christ a retourné. Ou repenti, ou pas repenti, Jésus-Christ a retourné. Ou change, ou pas changé, Christ a retourné. Ou était dans les biens, ou était dans la gueule, ou était dans la pornographie, ou était avec un vieux vêtement sale, ou pas dépouillé, Jésus a retourné. La Bible dit. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et que la Bible parle, expliquez-nous dans Matthieu. Il dit que deux mondes capables de nous chanter, monde qui prie à celui qui prie. Marie, madame qui a couché dans la même cabane, sous la même cabane. Madame prie à celui qui prie. Marie prie à celui qui prie. Ça montre que Jésus-Christ n'a pas acheté qui. Pas dire au bon, ou c'est gros bishop, ou bah un pile dîme, ou bah un pile offrande, ou de quoi faire pile prière. Non, c'est droite pour droite, mais une vie de sanctification. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans sa zamim, tant on a perdu, ou te mettre faire mission, ou te mettre bailler l'argent, ou te mettre faire toute bagaille, garder au frico, sous pas mis nos vies droites, il y a eu des sanctifications, pas que ciel, vous. Pas que ciel. L'évangile, ça doit prêcher dans toute l'église de Jésus-Christ. Et tout le monde qui prêt, qui voulait aller dans le ciel, il y a besoin de l'évangile de sanctification dans le dernier temps. Regardez comment le monde l'a branlé. Regardez comment la terre chaude. Ça qui passe, c'est prophétie que la Bible te baille qui a accompli. Et prophétie qui a accompli. Ali Matthieu chapitre 24. Ali Luc chapitre 21, chapitre 22. On a Ali Daniel, Ali Apocalypse. Ali d'autres livres toujours. Matthieu, Pierre. On a d'autres livres toujours. La Bible explique nous. Mais ça qui pour passer, qui est pour arriver avant l'avènement du Fils de l'homme, avant la regarder l'enlèvement de l'église. Mais ça qui est pour passer. On nous parle qui en pile séducteur, parle qui en pile faux prophète, parle qui en pile en faux Christ qui parle par la tête qu'on parle ou en Haïti, aux États-Unis, dans le monde entier, parle qui en partout dans le monde. Il dit ça, c'est commencement. Mais ça fait longtemps, oui, qui en ça fait longtemps, oui, qui en gagne. Ça fait longtemps, qui fait bien, mais ça montre que nous avançons vers notre grande délivrance. Nous avançons vers la fin, nous avançons vers l'enlèvement de l'église. Mais qui ça nous entend? L'église a dormi. Amen, oui, l'église a dormi. Au moment, les pasteurs ont dormi, les chrétiens ont dormi, les prophètes ont dormi, les apôtres ont dormi. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre la mort, car Christ t'éclairera. Levé, sorti parmi moi. Alléluia, parce que le monde ça yo pensé c'est sous la terre prêté, mais la Bible dit que c'est pas sous terre à prêter, zambib. Alléluia, c'est dans le ciel que nous parlons. Qu'on voulait, qu'on parle, ou voulait tomber dans ma solange ou dans sorcier, dans sorcière, ou même dans l'écuménique. Regardez, ciel réel, l'enfer réel. Réel. Man, chaque monde fait un choix. Moi, je fais un choix pour me servir Jésus-Christ. Je fais un choix pour m'adorer Jésus-Christ. Abraham te fait un choix. Alléluia. Abraham te fait un choix. Il te servit. Bon Dieu, alléluia. Papa Abraham, c'est un gros gars. Il va te convertir. Papa Abraham, alléluia. Gardez, te voulez pas Abraham en sacrifice. Mais gardez, bon Dieu, t'es qui pleure sous la vie, Abraham. Gardez, ou même bon Dieu qui pleure sous la vie. Pas que diable qui a mangé. Pas que diable qui a gaspillé. Ou pas parler de la fille avec diable. Alléluia, ou qu'on place qui réserve pour qui côté dans le ciel où Christ est assis. Alléluia, mon place dans le ciel là.
On va le combattre, on va le combattre, on va le sous la terre. Mais qu'on place qui est réservée pour moi. Place ça, c'est près de Jésus-Christ. Amen. On t'a dit, près de Jésus. La 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 la. La 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 la. Près de Jésus, je suis vainqueur. La 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 la. Près de Jésus. A lui a jamais vieilli, m'pas vieilli, amen oui, m'bral go l'autre corps, m'bral go l'autre figure, amen, m'pas dans souffrance encore, m'pas dans pense encore, alléluia, m'pas problème, puis on parle mal, parce que ma bonne côté Jésus-Christ, moi va oublier tout tracam passé, moi va oublier toute misère, moi va oublier toute souffrance, ma bonne côté Jésus-Christ, ou à bonne côté Jésus-Christ. Que traité comme ça tu, ma chère bien devant mon Dieu, amis. Mais nous-mêmes, bon Dieu, mettez comme pasteur l'église là. Pas pasteur l'église là, à cause de l'homme. Mais pasteur l'église là, à cause de Jésus-Christ. Parce que Christ est là. L'évangile, même pour prêcher, prêcher l'évangile. Devant l'évangile, pas qui maman, pas qui madame, pas qui papa, pas qui ami, pas qui frère, pas qui se prêche la parole. Apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion. Ou dans la machine, on prêche la parole. Ou dans le bus, on prêche la parole. Ou dans le train, prêche la parole. Ou l'école, on prêche la parole. Ou au travail, prêche la parole. N'importe côté où on a un avion, prêche la parole. Pas qu'ils ont mis, ça qu'est criant, dis-le, que paix pour Jésus-Christ. Mais dernier temps ça, lorsque vous regardez, m'a regardé à la télévision, à la radio, on va dans les rues, mais nous regardons, nous jouons le monde plus campé pour pas peut-être pas. On va l'homme non plus campé pour pas peut-être pas, pour faire mon ouais, pour y avoir l'argent, pour y faire parler de eux. On va là, si c'est regardé, si c'est pas eux-mêmes qui font programme, ils ne pas mettre tête ensemble avant. C'est eux pour faire, c'est eux pour paraître parce que c'est l'évangile sale des cognats. Et puis, ils ont un groupe ensemble avec eux. Petit groupe de monde ça, pas qu'à supporter l'autre pasteur ça. Gardez ça, vie du diable. Nous besoin de repentir sans ça. Pas que ciel pour nous, messieurs. Regardez, Christ a quitté un travail sur la terre. N'a mangé sur la terre. Mais pas que ciel pour nous. Amen. Amen. Du ciel, non, papillaille. Non, c'est le papillage. Entre l'église piaille. On entre l'église piaille. Ou pas payer pour ça. Mais pour entrer dans le ciel, une fois pour toutes, les papillages. Amen. Alléluia. Faut payer à Jésus-Christ. Faut d'accord pour marcher droite devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand le monde qui campe pour Christ dans le temps, hein? Un pile monde qui campe l'argent dans le meilleur. Où est-ce que ça fait pas y a réglé? Si ça fait night club y a réglé. Quand t'es pasteur campé pour Christ, apôtre Paul t'es campé pour Christ, Philippe t'es campé pour Christ, Jean, le Baptiste t'es campé pour Christ, Jean, alléluia, alléluia, t'es campé pour Christ, alléluia, Matthieu t'es campé pour Christ, Luc t'es campé pour Christ, mais nous jouons une campille sous cette, ces jours-ci, en pile nègre, qui a plein poche, qui a plein vendu, ils n'ont pas campé pour Christ, c'est détruit, il y a détruit mon nom, avec fausse prophétie, alléluia, avec fausse l'évangile, mais ils n'ont pas campé pour Jésus-Christ. Respecte ce monde qui vous campe pour lui. N'entend. Alléluia. Investir dans l'autre monde, nous sommes finis. Qui est bon Dieu dans nous. Pendant nous avons gros l'argent, nous ne pouvons pas faire mission. Nous ne pouvons pas aller côté. Conseil de l'autre monde. Alléluia. Qui n'a pas de problème pour enrager, pour entrer dans le temps bandit, à prêcher bandit. Regardez, alléluia. Investir dans le monde pour prêcher l'évangile. Les arrivés. Qu'on révolte, faut nous révolter en tant que chrétiens pour nous mettre pieds nous à terre. Alléluia, pour nous prêcher l'évangile, pour nous mettre pieds dans du feu, pour nous prêcher l'évangile pour Christ. Gardez suspendre chita dans une zone qui est confortable. Gardez fond déplacer, quitter une villa ou bien dans une villa qui côté qui n'a club. En nous sortir, on nous à l'évangéliser. Son écrivé. Est-ce que Christ est venu nous seulement pour moi? Non. Mais nous pas qu'à vous garder, ou pas qu'à aller voir l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont pu aller en mission. Regardez, ils connaissent plus qu'on mal qu'on a fait. Pour son faveur, mon Dieu, fort, oui. Pour un serviteur, mon Dieu, pour un serviteur, mon Dieu, pour que lui prenne la mission. Est-ce qu'on a contre son faveur? Mon Dieu, qui est l'autre monde. Faveur, Jésus-Christ a retourné. Si ce n'est pas pour peut-être pas, nous sommes fiches. Maintenant, ça fait que nous ne pouvons pas délivrer. C'est peut-être pas nous, nous ne pouvons pas Christ. Amen. Pierre va trouver pour te parler. Pierre a coupé tête pour Christ. Apôtre Paul de la même façon. Apôtre Paul sentit moment quand il est arrivé pour le déplacer.
Apôtre Paul dit à Timothée, alléluia, moment de libération m'arrivait. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alors j'ai achevé la course. Je garde la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur est le juste juge, mais la donnera. On va là, nous, regardez, full monde. Au lieu de suivre Christ, mais ils suivent racketeurs. Ils suivent des bandits qui collent dans le cou, qui ont pipe dans le cou, qui ne peuvent pas gagner pour Christ. L'île est le temps. Christ, à lui, a retourné. Jésus-Christ a retourné. Est-ce qu'on prend ça même? We are about to live. Alors nous sommes sur le point de partir. Alléluia, nous pourrons partir avant de prendre décoller. Est-ce qu'on prêt pour aller? Est-ce qu'on prêt pour aller avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est depuis aujourd'hui, hein, pour demander Christ, pour le faire travailler dans nous-mêmes, pour le sanctifier nous, pour le purifier nous, pour le nettoyer nous, pour le mettre dans la condition. Les trompettes la sonner pour nous capables à joindre le Seigneur Jésus-Christ. Ou même qui est sur YouTube, sur Facebook, qui t'attendait l'évangile ça. Qui t'a même à Jésus que la vie, ou capable de relayer nous. Dans le numéro de téléphone, ça 516-468-1541. Ou bien même, qui t'a fait bac, qui t'a lagué, ou bien là, qui t'a même retourné vivre en Jésus-Christ, ou capable de relayer nous aussi, pour nous prier ensemble avec vous. N'a pas dit, pas qu'il est encore. Pas qu'il est temps. À nous sortir, pour nous capable de camper pour Jésus-Christ. De ne pas te côtoyer, m'encourager, stand up. Alléluia, debout. Alléluia, tous les chrétiens. Campez pour Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il cite ça que vous voyez là. Ce n'est pas cité permanente ou cité permanente. C'est dans le ciel. Au nom de Jésus.